Eh bien, salut à tous, c'est Mascas, j'espère que vous allez bien, moi ça très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur PVZ en élimination confirmée sur la map Domaines en Boss. Donc, on va être du côté des plantes. Et je vais peut-être prendre un pistolet poids. Donc, on va prendre. J'avais pris le pistolet baie juste avant. Allez, on va prendre le toxico poids. C'est un personnage que je prenais énormément au départ et quand j'ai découvert l'agent 00 poids, j'ai préféré prendre ce dernier justement. Bon, on n'est pas nombreux. Boum, boum. Voilà. Bon, j'ai pas le premier kill, mais ça, c'est pas étonnant. Par contre, il a pris ma sphère. Oh. Ouais. C'était logique que je meure maintenant. Alors, le toxico poids. Il tire assez lentement, il a une cadence de tir assez faible. Par contre, c'est vrai que quand on tire, ou même sans tirer, quand on passe à côté d'un zombie, il prend des dégâts de... des dégâts toxiques, pardon, je vais y arriver. Oh, bah. Oh la vache, je suis pas réveillé, hein. Ouais, non, je suis pas bon. Hein. Des personnages avec une cadence de tir assez faible, comme je sais pas trop viser, eh ben, c'est pas simple. Hein. Alors, lui, il a plus trop de vie, lui. Oh là 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 là. Bah j'aurais pas dû prendre ce personnage là. Ouais, on est 3 de moins déjà donc mine de rien ça se connaît. Bon bah c'est pas grave, ça fait rien. Alors il tape à 26 et il fait des petits dégâts à côté, un peu comme les personnages de feu. Ah là là. Ouais, je fais une partie pas terrible. Mais bon, le principal c'est de s'amuser, j'espère que ça vous amuse aussi. C'est le but de la vidéo. Alors, mardi prochain, je ferai sûrement une vidéo sur Rocket League. C'est un jeu de foot, mais avec des voitures. Donc, ça sort sur le PS Plus. Mardi prochain, gratuitement pour les abonnés du PS Plus, et du coup, je vais en profiter pour tester le jeu. Donc, je ferai sûrement une vidéo découverte, même plusieurs vidéos. Donc, c'est un jeu qui peut être sympa. Oh la vache! Donc, bah, mardi ou mercredi, je ferai une vidéo sur Rocket League. Bah dis donc, j'enchaîne. Et petite info aussi, bon vous le savez sûrement si vous êtes intéressé par PVZ et PVZ 2 qui sortira normalement au printemps 2016. Donc si vous n'êtes pas au courant, je vous invite à regarder les vidéos sur le deuxième Garden Warfare. Alors, bah on a quelques infos dessus.
Donc apparemment il y aura 7 classes. Ah je l'ai tué quand même. 7 classes de personnages pour chaque camp. Donc 7 classes en plantes et 7 classes en zombies. Il y aura, il me semble, 14 maps. Alors 14 maps c'est vaste, hein, ça dépend sur quel mode, si c'est sur, sur tous les modes. Qu'est-ce qu'on a de plus décidément. On aura un cimetière Ops. Donc de la même manière que le jardin Ops, mais en tant que zombie. Donc au lieu que... Oh là 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 là, je sais pas comment je fais pour survivre. Donc c'est un peu comme le jardin Ops. Sauf que là, faudra protéger un cimetière en tant que zombie et c'est les plantes qui attaqueront le cimetière. Donc pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas trop de news là-dessus, mais je pense que prochainement, on en aura un tout petit peu plus. Donc je l'attends avec, avec beaucoup d'impatience ce jeu parce que le, bah, comme vous le savez sûrement, le 1, Garden Warfare 1, me plaît énormément. Même encore aujourd'hui, un an quasiment après sa sortie, il me plaît toujours autant. Aïe 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 aïe. Oh là là, je suis mal barré, je suis mal barré. Oh, rencontre. Bon bah finalement je m'en sors plutôt pas mal. Oh là 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 là. Ah mais non, mais ça c'est une balle perdue ça. Alors pour revenir à PVZ Garden Warfare 2, bien évidemment je ferai des vidéos dessus quand je sortira, donc l'année prochaine. Ça, il n'y a pas photo. Double kill en plus. Donc ça, il n'y a pas photo, je ferai des vidéos dessus, bien évidemment. Mais pour cela, il va falloir être patient. Bon, j'ai fait pas mal de kills. Malheureusement, j'ai pas récupéré beaucoup de sphères. Donc on a gagné, 50 à 33. 21 kills avec le toxico poids. Alors 6 en élimination, en série d'élimination, 7 assistances, 8, bon d'accord. Bon bah c'était finalement une bonne partie. Un petit pack à 1000. Ratio de 3, bah c'est pas tout mal. Sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur Plantes versus Zombies. Je pense que ça sera du jardin et cimetière, puisque ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait ce mode là. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le petit j'aime, le commentaire, tout ce que vous voulez. Allez, merci, salut.